yekele, 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 he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome guy. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre fidélité à l'émission Femmes pleines de gloire. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir nombreux en train de nous suivre à notre émission. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous visite. Bonjour maman Véronique. Que Dieu te bénisse, amen, amen. Que Dieu te bénisse, sœur Sylvie. Merci, maman, amen. Vraiment, aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à vous deux. Amen. Depuis le parcours qu'on a avec vous, vraiment. Je me dis, c'est sûr que nous parlons pour que les gens nous entendent, nous parlons et nous voyons les résultats, mm-hmm. comment les gens réagissent. Mais mon souci, c'est vous deux aussi. Amen. Comment ça se passe dans ta vie par rapport à tout ce qu'on a ici sur cette plateau pour cette émission Femmes pleines de gloire? Merci, maman Véronique. Donc, vraiment, cette émission a été bénéfique, vraiment de progrès. J'ai subi le progrès au niveau professionnel, au niveau familial. Vraiment, maman Véronique, à travers cette émission, vous avez réussi à me fortifier. Vous avez réussi à augmenter la prière profonde. Je n'ai pas encore tout assimilé, mais avec l'émission, ça va venir vraiment que vous nous avez armés en nous donnant les stratégies, en nous fortifiant, en nous motivant à nous tenir debout, à nous lever mm-hmm. pour confronter l'ennemi. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est que à travers cette émission, ça m'a ouvert les yeux. Dans ce sens que, au lieu d'être passive, au lieu d'être spectatrice, ben, je suis actrice maintenant. Amen. Parce que tout ce qui s'est dit, ça m'a donné des éléments pour aller, justement. Parce qu'il y a des choses que je voyais dans ma vie, je me disais, oui, mais comment je vais faire? Je n'avais pas nécessairement les moyens, les atouts pour pouvoir les combattre. Comme on avait dit la fois passée, peut-être que dans tes rêves, tu ne vois rien. Mais toi-même, tu es témoin de ta vie. Donc, tu sais, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ça ne va pas. Tu sais, tu es conscient que ça ne va pas. Mais au travers de cette émission, samedi après samedi, ça m'ouvre les yeux. Là où il y avait vraiment des écailles, là, les écailles tombent. Parce Amen. Que ça me permet de voir et puis de comprendre et puis de participer moi-même. Je dis, mais il faut que je cherche Dieu. Amen. Cette phrase-là, c'est vraiment aller me chercher. Amen. Il faut chercher Dieu. Amen. Parce que dans tout ça, si nous pouvons avoir la victoire, les gens peuvent parler comme ils veulent, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais la victoire, c'est en Jésus. Amen. Donc, c'est vraiment, c'est là que ça me fortifie. Je me dis, non, Dieu est là, il est puissant, il est vivant. Et vraiment, on est, au travers de cette émission, la délivrance est là. Amen. Vraiment, on est porté à chercher la délivrance, à se questionner, à ne pas se contenter de la vie que nous menons, dire que ça va bien, on peut faire mieux. Amen. Vraiment, que Dieu soit béni pour toutes ces Amen. Choses. Mon grand souci, je refuse dans le nom de Jésus que nous soyons des escaliers pour les gens. Jamais. Jamais. Que nous soyons des escaliers dont les gens vont monter non. au travers de nous et que nous restions sur place. Non. Non. Que Dieu vous bénisse d'abord. Amen. Parce que mon souci est que nous soyons tous bénis. Amen. Et aussi que nous progressions. Amen. Parce Amen. Que la bénédiction peut être là. Mais c'est quel niveau? Mm-hmm. Bien aimé, sur la terre, il y a niveau et niveau. Amen. Il y a niveau et niveau. Amen. Une femme pleine de gloire ne peut pas. C'est une femme qui ne peut pas accepter la vie qu'elle a comme suffisante. Non. Une femme pleine de gloire a la compréhension de la volonté de Dieu en ce qui concerne les progrès. Amen. Parce qu'une femme pleine de gloire s'est dit, oui Jésus, tu m'as donné ceci. Les prochaines étapes, c'est quoi? C'est quoi? Les prochains niveaux, c'est quoi? Mm-hmm. N'est-ce pas, au désert, tu as multiplié les pains. Mm-hmm. Tu as satisfait tout le monde qui était là. Gloire à Jésus.
Je disais qu'une femme pleine de gloire n'est jamais satisfaite de sa vie, de ce qu'elle peut appeler bénédiction. Rachel était consciente qu'elle a souffert de la stérilité. Elle a pris même sa servante pour dire que non, il faut que cette honte parte, que j'ai un enfant même avec moi. Alors ma servante va avec mon mari. La servante est partie, mais elle n'était pas satisfaite. La servante a eu des bébés, mais Rachel n'était pas satisfaite. Non. C'était son souci. Mais elle n'était pas satisfaite parce qu'elle l'a dit, non, j'ai eu l'enfant au travers de ma servante, mais ce n'est pas mon enfant qui vient de moi. Il faut que ça soit moi. Elle s'est battue jusqu'à ce que Dieu l'a exaucée. Elle a eu l'enfant. Amen. Elle n'était pas satisfaite quand bien même elle a eu Joseph. Non. Pourquoi le Dieu de Joseph, c'est Dieu m'a exaucé, Dieu m'a donné un fils et je veux un autre fils. Amen. C'est-à-dire que le cri de Rachel, connaissant Dieu, il a dit Seigneur, quand ça n'a pas marché avec l'Ancien Testament, tu as fait le nouveau. C'est-à-dire que tu peux appeler encore un autre à la place. Amen. Donne-moi un fils. Voilà pourquoi Rachel a eu Benjamin. Si tu es satisfaite de ta vie, parce que pour toi c'était que tu t'es mariée, Dieu t'a consolée. Dis-moi, dans l'église, il y a combien de femmes mariées? Il y en a beaucoup. Tu viens de te marier, d'abord tu es satisfaite. Tu n'as pas encore de bébé, tu es satisfaite. Il y a combien de femmes mariées à l'église? Beaucoup. Qui ont 5, 6, 7 enfants? Il y en a combien? Beaucoup. Non! Ça signifie que on n'est pas encore arrivé. Non, on n'est pas encore arrivé. Le mois passé, je venais de fêter mes 22 ans de mariage, non? Est-ce que je suis arrivée? Non. Mais il y a des mamans qui ont 60 ans de mariage. Mm-hmm. C'est ça. Ça signifie que la délivrance, il faut la chercher, la chercher. Amen, amen, amen. C'est un processus où on doit aller chercher. Amen. Tu as la délivrance, tu étais célibataire, tu es marié. Encore un autre, c'est quoi la stabilité? Encore un autre, c'est quoi les emplois? Enfants. Encore un autre, les enfants. Encore un autre, l'éducation des enfants. Encore un autre, l'amour doit grandir. Encore un autre, la maison doit s'acheter. C'est ça la vision de la femme pleine de gloire. Amen, 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 amen. Un niveau à un autre niveau. Amen. Une élévation à une autre élévation. Amen. Une gloire à une autre gloire. Amen. Une montée à une autre montée. Amen, un pas amen, à une autre, amen, un pas. L'amour est amour encore. Amen. Les guerres encore. Amen. Les affaires encore. Amen. L'argent est l'argent encore. Amen. Le voyage est le voyage encore. Amen, amen, oh, bien-aimé, des maisons et des maisons encore. Amen. Ne sois pas satisfaite. Ne te vois pas aux anges parce que tu as acheté une maison. Il y a des gens qui ont 15 maisons. Amen. Oui. Amen. C'est pourquoi je n'ai jamais compris. Tu vois quelqu'un qui s'achète une maison, surtout ici en Occident, elle fait des fiers. Oh. Mais sur la terre, il y a des gens qui ont 15, 20 maisons. Amen. C'est que tu n'as pas compris encore que tu es une femme pleine de gloire. Amen. Tu t'achètes une belle voiture. Là, tu dois. Là, vraiment, j'ai piétiné tout le monde. Oh. Tu as piétiné qui? Parce qu'il y en a qui ont 3-4 voitures. Ça signifie que ça, c'est la mauvaise compréhension des choses. Amen. C'est la même chose que certaines personnes comprennent mal le mari femme de nuit. Qui ont une compréhension erronée, qui ont des opinions qui sont wrongs, qui sont à côté. Tout ce que nous disons dans cette émission, nous l'appuyons dans la parole de Dieu. Amen. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Amen. Tel que dit la parole de Dieu, que toute écriture est inspirée de Dieu, capable de nous enseigner, utile pour nous enseigner. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est une source qu'on ne peut pas épuiser pour les enseignements. Amen. Ne te limite pas, le mari de nuit fait ceci, fait cela. Quand tu ne vois pas ça, ça c'est qu'il n'est pas là. Non, cette parole, c'est comme une forêt où on rentre, on ne sait pas où on va sortir. On ne peut pas l'épuiser. Amen. On ne peut pas l'épuiser. Amen. Cherchons Dieu et nous arriverons à comprendre que non, l'ennemi est rusé. Amen. Quand bien même il est vaincu, il est rusé. C'est pourquoi le but de cette mission, notre mission principale, c'est vraiment équiper la femme par rapport à tous les diagnostics que l'ennemi peut sponsoriser dans les ténèbres, cacheter, arrêter. Que la femme pleine de gloire arrive à ouvrir les yeux spirituels à la lumière de la parole de Dieu et trouver toutes les cachettes magiques de l'ennemi. Et au travers des armes que nous équipons la femme, amen, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration à l'église,
au travers ces armes, que la femme pleine de gloire puisse être capable de sortir des troubles. Amen. Dieu Amen. Ne nous a pas appelés dans les troubles, bien aimés dans les Seigneurs. Non. Est-ce qu'on peut lire Genèse? Genèse combien? 37. Genèse 37, verset 18. On peut lire ça. Mm-hmm. Pour que nous comprenions comment l'ennemi peut s'organiser. Amen. Peut-être toi, tu te dis, dans les rêves, je ne suis pas là. Dans mm-hmm. ça, je ne suis pas là. Ma vie est bien. Écoute, il y a un garçon qui ne comprenait pas. Il a vu que tout était bien. Même ses rêves étaient bien. Mm-hmm. Ses rêves étaient bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il était aimé mm-hmm. de son père. Mm-hmm. Très aimé de son père. Mm-hmm. Il avait une position dans sa famille que tout le monde pouvait l'appeler papy, papa Mouké, tous les petits noms. Mignon de notre famille, cadet, Benjamin, on peut lui donner. Il croyait que la vie était comme ça. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Mm. Genèse 37, verset 19 nous dit ceci. Je lis comment au nom de Jésus. Verset 18. Genèse 37, verset 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Ils le virent de loin. Mm-hmm. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Amen. 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 Bien aimé, ce garçon était aimé de son père. Mm-hmm. Et son père, pour témoigner son amour, le distinguait avec ses frères par rapport à ce qu'il lui donnait. Mm-hmm. Il lui donne une tunique pour le distinguer. Donc, tout le monde dans la famille savait que papa aime Joseph. Mm-hmm. Papa met Joseph à part. C'est vraiment parce qu'il aimait sa maman Rachel qui pouvait aimer. Même, je pense que même Léa disait, moi j'ai des enfants, des garçons aussi. Mm-hmm. Mais ce jeune, mais l'amour de son papa n'était pas une garantie pour son lendemain. Non. Joseph n'a jamais rêvé une femme avec non, la nuit. C'est ça. Il n'a jamais rêvé une femme de nuit. Il n'a jamais rêvé qu'il était nu. Non. Parce que l'émission passée, on a parlé que les rêves, quand on est nu, ça signifie la honte. Mm-hmm. Joseph n'a pas rêvé qu'il était nu. Il n'a jamais rêvé qu'il ait été cambriolé dans un magasin. Non. Il n'a jamais rêvé qu'il avait les assiettes la nuit, qu'il marchait dans la boue la nuit. Mm-hmm. Il n'a jamais rêvé qu'il était ridicule dans la nuit. Ses rêves étaient magnifiques. Mm-hmm. Amen. Mais oui. Ses rêves étaient la gloire. Mm-hmm. Ses rêves étaient l'élévation. Ses rêves assuraient un lendemain. Mm-hmm. Ses rêves, c'était le trône, c'était le couronnement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir quelqu'un parce qu'il ne rêve pas, parce qu'il s'est marié, parce qu'il a tout ce que les gens n'ont pas, qui commence à faire des fiers, et il ne sait pas que même dans une réunion, on peut bloquer ta vie. Mm-hmm. Même dans une réunion, on peut retarder ta vie. Mm. Même dans une réunion, on peut condamner ta vie. Mm. Même dans une réunion, on peut avoir un décret qu'on sort contre toi. Mm-hmm. Même dans une réunion, on peut te tuer et que tu partes comme Naboth était parti. C'était dans une réunion. Et c'était dans quelle réunion? Dans une réunion de prière même. Mm-hmm. Joseph, c'est sûr, quand il allait vers ses frères, il dit, mon grand frère Ruben, il venait. Et là-bas, dans une réunion, on va voir. Ils ont déjà arrêté. On verra s'il va se marier. Mmh. On a invité toute la famille dans la réunion. Mais quand elle va arriver, juste quand elle va ouvrir la bouche, parce qu'elle aime faire ça, c'est une porte ouverte. En cela, toi, comme tu es esprit humain, tu vas rentrer dans cette porte ouverte. C'est là où tu vas bloquer ses naissances. Tu vas bloquer son mariage. Tu vas bloquer son avancement. Tu vas rentrer, quand on va mettre la nourriture et les jus, tu vas rentrer et faire le pipi dans son verre. Quand il va dormir, on va lui transmettre la sorcellerie. Mais toi, quand tu viens dans la réunion, je vais acheter les choses pour mes frères, pour mes soeurs, on va se réunir. C'est ma soeur qui va se marier. On va se retrouver nous tous là-bas. Nous, on s'aime dans la famille. On va faire une réunion par rapport à cette réunion. D'ailleurs, voilà ce que moi j'amène pour telle soeur, pour tel frère. Tu es contente. Mais là, il y a déjà un complot des ténèbres pour le retardement de ta vie. Est-ce que Joseph avait refusé que cette histoire qu'ils avaient arrêtée s'accomplisse? Parce qu'il n'était pas informé. C'est ça, il n'avait pas l'information. Dans cette réunion-là, Joseph allait avec un cœur ouvert, un cœur d'amour, un cœur cordial, affectueux. Mais il y a des choses qui s'arrêtaient, il y a des choses qui se parlaient, il y a des choses. Est-ce qu'ils ont concrétisé ça, oui ou non?
Disons concrétiser. Mmh. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent dire, moi je ne rêve pas, mmh. moi, mais Joseph rêvait bien. Mmh. Mmh. Joseph rêvait bien. Jamais il a rêvé qu'il y a une femme de Potiphar des années qui viennent, qui va arracher sa chemise, on va l'emprisonner. Est-ce que Joseph a rêvé la prison? Non, jamais. Ses rêves étaient vraiment bons. Des bons rêves. Femme pleine de gloire, toi tu rêves bien. Ces choses ne te concernent pas. Mais le Seigneur n'a pas permis aujourd'hui que tu écoutes cette émission. Il n'a pas permis pour rien. Non. Parce que tu te glorifies, parce que tu ne rêves pas. Parce que tes rêves sont excellents. Mais Joseph rêvait l'excellence. Mm-hmm. Plus excellent même. Plus même. Son papa était capable de dire, toi, cet enfant, mm-hmm. toi, tu ne crains pas tes parents. Tu crois que nous allons nous mettre à genoux? Vraiment. Mais Joseph, il y avait un complot dans une réunion de mm-hmm. famille. Et cet complot a amené Joseph dans les troubles dans sa mm-hmm. vie. À un jeune âge, Joseph s'est retrouvé esclave. À l'âge où il n'a jamais rêvé, il s'est retrouvé esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas avoir une haute opinion de toi-même mm-hmm. en ce qui concerne les choses spirituelles. Mm-hmm. Les choses spirituelles sont profondes. Amen. Et quand le Seigneur permet que nous fassions des choses comme ça, c'est pour sa gloire. Amen, 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 amen. Amen. Et quand le Seigneur permet encore que tu entendes ça, ne prends pas le temps pour bavarder, critiquer, chercher les erreurs. Mm-hmm. Prends le temps pour t'admirer. Amen. Et moi, ma vie, bientôt nous arrivons à la fin de l'année. Mm-hmm. Comment je vais finir? Toutes les années pareilles. Maintenant, maintenant, au début de l'émission, nous avons parlé du progrès. Mm-hmm. Mais toi, ton progrès, c'est quoi? Mm-hmm. Tu vas encore prendre des décisions à la fin de l'année, à la prière de réveillon. Oh, l'année, je vais être une femme de feu, une femme de prière. Je vais m'engager. Et quand on va arriver au mois d'avril, tu tombes en bas, tu ne te relèves pas. Ça sera comme ça toutes les années? Non. Prends conscience. Amen. Amen. Prends conscience. Amen. S'il y a une femme qui prie, il y a un Dieu qui entend la prière. Amen, amen, amen. Bannissons amen. La médiocrité. Amen. Bannissons les ridicules. Amen. Bannissons être derrière les soldes. Amen. Bannissons les injures. Amen. S'entretuer pour des futilités. Amen. Cherchons Dieu. Amen, amen, amen. Bannissons les condamnations. Mm. Cherchons Dieu. Amen. D'ailleurs, j'ai dit cherchons Dieu. Moi, je cherche Dieu. Toi aussi, cherche Dieu. Amen. Ta vie, ça ne va pas. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Mm. Bien-aimé, il y a chaque chose, il y a une racine. Les racines qui empêchent la gloire, c'est le mari de nuit. Mm. Cherche à les propulser. Amen, amen. Cherche à les déloger. Mm. Cherche à briser l'alliance. Empêche qu'il manipule ton corps. Empêche qu'il contrôle ton mariage. Mm-hmm. Lève-toi et dis non. Mm-hmm. Oh, la maman de Moïse a dit non. Mm. Tous les enfants sont condamnés à la mort. Le mien ne mourra pas. Lève-toi et dis non. Mm-hmm. Qu'importe ce que ma famille vive, moi dans cette histoire mari de nuit, qui condamne le mariage dans ma famille. Toutes mes soeurs, leurs maris sont bien-aimés. Ça ne se peut pas que dans une famille, même pas une seule sœur qui soit mariée bien. Même l'unique sœur qui est mariée, sont mariées comment? Ils se cherchent, ils se cherchent. Ils se cherchent même pour avoir la nourriture. Ils se cherchent. Mais tu ne comprends pas qu'il y a une condamnation. Mm-hmm. Et la réunion que tu as été, qui l'a tenu? Celui qui siège comme prédicateur dans les réunions mm-hmm. de famille, qui arrête les lois. Qui il est pour trôner? Mm-hmm. Qui il est pour que sa parole soit entendue? Comme si c'était l'ainsi dit de l'Éternel. Mm-hmm. Oh, ouvre les yeux, ma soeur. Amen. Que cette émission t'ouvre les yeux. Amen. Et que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta Amen. Vie. Amen. Vraiment, je voulais te bénir. Mon cœur saigne, que tu sois béni. Amen. Amen. Mon cœur saigne, que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Cherchons Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, maman Véronique. C'était très, très, très enrichissant. Je pense que chacun de nous a suivi, femme pleine de gloire, vous avez suivi.
ce que maman Véronique a dit, je pense qu'on est tous concernés par ça. Nous devons chercher Dieu. Amen. Vraiment, s'il y a quelque chose que nous devons faire vraiment avec beaucoup, avec toute notre force, c'est vraiment de chercher Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide vraiment à le chercher réellement d'une façon très, très efficace pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Parce qu'on ne veut pas être retardé dans tout ce que nous faisons. Parce que Dieu nous appelle à progresser, comme maman Véronique l'a dit. Mais l'ennemi veut toujours nous retarder. C'est pour ça que nous devons vraiment chercher Dieu dans la vérité. Et c'est là que nous allons voir vraiment les merveilles de Dieu dans notre vie. Ma fille, amen, ce n'est pas parce que Sarah a eu Isaac tardivement que toi tu deviens Sarah. Non. Que tu te maries tardivement. Non. Que tu puisses acheter la maison à 96 ans. Non. Oh, à 96 ans, tu vas mourir peut-être à 100 ans. Tu vas vivre combien d'années? 4 ans seulement. Oh, faut réfléchir. L'esprit de retardement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, que le Dieu qui accélère les choses. Amen, amen, amen. Que le Dieu qui appelle les choses au temps opportun. Amen. Oh, le Dieu d'Israël, la Bible dit de toi, tu n'as pas changé. Alléluia. C'est lui qui, devant la mer Rouge, à l'instant même, oh, quand Moïse a mis son bâton, la Bible déclare, l'eau s'est scindée en deux. Amen. Oh, la Bible m'apprend que les ennemis qui étaient derrière ton peuple étaient tous engloutis. Pendant que je suis devant ces caméras, pendant que je suis au devant de ce plateau, de cette émission Femme pleine de gloire, pendant que nous nous approchons de la fin de cette année, ma prière, que Dieu accélère les choses dans amen, ta vie. Amen. Que le Dieu d'instantanément, amen, qu'il agisse d'une façon instantanée dans ta vie. Amen. Oh, que dans le monde des ténèbres, qui est fracas, qui amen, est amen, trouble, qui est désordre, qui est dérangement, amen, qui est des choses qui se basculent. Amen. Au nom de Jésus-Christ, amen, tout ce qui était arrêté, retardé, puisse prendre l'élan. Amen. Au nom puissant de Jésus, ce qui était courbé soit redressé. Amen. Ce qui était assis soit levé. Amen. Ce que le monde des ténèbres avait levé dans ta vie, ça baisse maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus, qu'un chemin nouveau s'effraie. Amen. Un chemin de gloire. Amen. Un chemin de mariage réussi. Amen. Un chemin de bonheur. Amen. Un chemin, amen, amen, un chemin de miracles permanents. Alléluia. Un chemin, amen, de victoire permanent. Amen. Où l'Éternel va t'élever au-dessus de tes ennemis. Amen. Oh, qu'ils disent, Dieu existe. Amen. Le Amen. Dieu de l'émission Femme pleine de gloire existe. Amen. Le Dieu qui opère les délivrances étonnantes existe. Amen. C'est lui, à un instant, lorsqu'Élie a prié, il a fait descendre le feu du ciel et de la terre. Amen. Oh, que le feu saccage. Amen. Dans le nom de Jésus, oh, l'autel de la sorcellerie de ta famille, la fondation de l'autel soit détruit. Alléluia. Oh, c'est lui qui s'est tient comme prédicateur sur cet autel pour prêcher et ses paroles se concrétisent, se manifestent dans la vie des gens. Qu'il tombe et qu'il meure par le feu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Désormais, tu ne seras plus manipulé. Amen. Tu ne seras plus contrôlé. Amen. Au nom puissant de Jésus, tu ne seras plus piétiné. Amen. Au nom puissant de Jésus, tu ne vas plus te couvrir de la honte. Amen. Tu ne vas plus te couvrir de la misère. Amen. La vie de honte va partir. Amen. Désormais, tu seras revêtu de Amen. Et que ta vie puisse prendre notre élan. Et Amen. Que tous ceux qui ne connaissent Amen. Pas le Seigneur témoignent que Dieu existe. Amen. Parce qu'il y a une femme qui prie, il y a un Dieu qui exauce Amen. La prière. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, 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 merci, amen. Maman Véronique. Merci, maman merci, Véronique. Merci, merci. C'est déjà tout pour notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, samedi prochain donc. Donc, n'oubliez pas vos questions. Je reviens toujours à la fin de cette émission pour vous rappeler vos questions parce que nous voulons vraiment aller de l'avant. Vos questions le nous aident aussi à progrès. Aller de l'avant parce que maman Véronique a dit tantôt que nous sommes appelés à progresser. Dieu ne nous a pas appelés à être dans une situation de statu quo. On est appelés à progresser. Alors nous devons progresser dans tous les domaines. Vraiment que vos questions, ne vous arrêtez pas. Posez vos questions, elles sont toujours les bienvenues. 514-677-2893 ou 514-653-6297 sur YouTube, Facebook, Congo Mikili. Vous pouvez nous suivre, liker et vous partager aussi. Donc, nous nous retrouvons samedi prochain
à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. À bientôt. He's an awesome guy. Oh, awesome.